Amen. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Pika kwanza makofi na bikere kyo. Acclame, je fais des clameurs pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Tunombariki Mungu. Nous bénissons notre Dieu. Dieu a néma la tupatia tena pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Kama vile kiongozi alisema. Comme le modérateur a dit. Pumusi aina kitu kucheza na. Le souffle de vie c'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser avec. Kama Mungu anatupatia. Si Dieu te donne. Tunapasha kuwa reconnaissant. Nous devons être reconnaissants. Bible nasema. La Bible dit. Soyez reconnaissants. Mukuwe na shukrani. Apana kuye ingra. Faut pas être ingrat. Kama Mungu anakusaidi. Si Dieu t'aide. Kuwa reconnaissant. Toi être reconnaissant. Parce qu'hapo nafika. Là où tu es. Pengine weko mibitanda magoni. Il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Pengine weko nashinda kusema. Il y a ceux-là qui ne parlent même pas. Pengine weko nashinda kulamuka. Il y a ceux-là qui ne se lèvent même pas. Weko nasema. Ils disent. Kama Mungu ananisaidi. Si Dieu m'aide. Nitamusifu. Je vais le glorifier. Kama Mungu ananisaidi. Si Dieu m'aide. Nitamunyanyua. Je vais l'élever. Même wewe asubuhi ya leo. Mais toi ce matin. Hakuna kitu ulifanya. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait. Hakumlipa Mungu hapana. Tu n'as pas prié à Dieu. Mais neema tu. Mais la grâce. Mungu anakulamusha. Dieu t'a réveillé. Neema tu. La grâce. Unanawa na maji. Et tu t'es lavé. Neema tu. La grâce seulement. Unatembea. Tu marches. Neema tu. La grâce seulement. Unaonekana mbele ya watu. Tu es là au milieu des gens. Neema tu. La grâce seulement. Na wewe wanasema huko. Et toi on dit que tu es là. Uyu Mungu. Mais c'est Dieu. Unakala unafanya na fiere. Et là tu fais même les cheveux. Mimi nakuelezea. Moi je te dis. Manguo unavala. Les habits que tu as. Itaosa. Va pourrir. Ma micro tu kunatumi. Le micro que nous utilisons. Italabika. Va se détruire. Ishare tu nashimama. La chair où nous sommes. Italabika. Sera détruite. Na kuku muntu moi. Mais il y a quelqu'un. Panamuita Yesu Christ. On l'appelle Jésus Christ. Gaya shibadirika. Lui ne change jamais. Eko paka vile. Il est le même. Jana. Yeah. Leo. Aujourd'hui. Na milele. Et éternellement. Minapenda ushimame. Je voudrais que tu te lèves. Yuwa Bwana. Pour l'acclamer. Sifu Bwana. Pour le glorifier. Anastai. Il est puissant. Alléluia. Shuka. Tu dois te rabaisser. C'est pas votre veste qui va te faire que tu t'enorgueillisses. Tu dois te rabaisser. C'est pas le poste que tu occupes. Shuka. Rabaisse-toi. C'est pas l'argent que toi tu as occupé ta Débaisse-toi. Tu dois te rabaisser. Élève Jésus. Pandisha Yesu. Élève Jésus. Nous bénissons notre papa pour la confiance qu'il a placée en nous ce matin afin que nous tenions devant l'église. Que Dieu le bénisse abondamment. Parce que là où nous sommes, c'est sa chair. S'il nous laisse, c'est la confiance. C'est la confiance qu'il a placée. Et nous ne pouvons pas le décevoir. Que Dieu bénisse les collèges des anciens. Tous ceux-là à qui nous collaborons. C'est eux qui ont voulu que nous soyons ici. Et il intercède pour nous. Que Dieu bénisse les anciens de l'église. Que Dieu bénisse toute l'église. Parce que ce matin, tu as accepté d'être à la présence de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans la présence de Dieu et qu'il est sorti de la même manière. Ce matin, tu vas sortir avec quelque chose. Amen. Que Dieu bénisse les choristes. Na mina bariki sana Esperance. Et je bénis encore Esperance. Ni mwimbo mina penda kasa. C'est une chanson que j'aime mwimbo beaucoup. Mwimbo wanataya Yesu. Là où on cite Jésus. Maungu ni tembe yake. Et là j'ai même la chair. Apana mwimbo ya kutapatapa bantu. Et non pas vanter les gens. Apana mwimbo tu ya kuimba imba muna jina ya Yesu. Bonsoir, tu vous chantez sans pour autant citer le nom de Jésus. Patia oko. Le nom qui nous a sauvés. Mie kama mina vala nkochi. Moi si je porte une veste. Aina nkambo yangu. C'est pas mon grand-père. Aina muyomba yangu. C'est pas mon oncle. Aina masomo. C'est pas les Nico. Mais ce que je suis, c'est Jésus Christ. 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 Mungu abarikiwe sana. Amen. Na frère Caleb ni manqué ça. Et frère Caleb nous a beaucoup manqué. Mina shikia mina barikiwe. Et je me suis fortifié. Mungu ambariki. Que Dieu le bénisse. Tutasoma neno la Bwana.
Nous allons lire la parole de Dieu. Kishina tukunayo. Et le thème qu'on a. Kina kwa mu Jérémie chapitre 20. Se trouve dans Jérémie 20. Na 11e verset. Et le verset 11. Kishima tukuna semeya. Et le thème dit. Inasema hivi. Le thème dit ceci. Mais l'Éternel est avec moi. Mu wa milele ekonami. Comme un héros puissant. Kama mwenye nguvu wa uwezo. Frère Benoît ta tusomeya. Frère Benoît ta tusomeya. Frère Benoît va. Comme zengando ta tusomeya kama mama ko espérance ko pana ta tusomeya. Pour que tu endara kasa. Pour que nous avançons vite. Parce que tutaomba ko tena kiloko. Nous allons encore prier un peu. Vous êtes Paul. Minta gérer ma minute yang. Je veux bien gérer mes minutes. Nous allons à 10h25. J'ai commencé à 25. C'est que minta gérer bien. Donc je veux bien gérer. Minta mi décevoir. Je ne peux pas vous décevoir. Mungu amibariki sana. Ah. Tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais l'Éternel est avec moi. Alléluia. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Kilio cha Yeremia. Lakini Bwana yuko pamoja nami. Ah, babu zao unasema bia ile ni kingilio. Mushikie kilio cha Yeremia. Ukamate ile neno. Bwana ni pamoja, Bwana yuko pamoja nami. Hallelujah. Kama mupika vita mwenye kuogopesha. Kama mupika vita. Kwa hivi wenye kunitesa watajikwa. Benye kuniteswa batajikwala. Wala hawatashinda. Hawataniweza mimi. Wataona aya kubwa. Watapata aya kubwa. Kwa sababu hawakutenda kwa akili. Sababu hawakutenda kwa akili. Wataona aya ya milele. Watakuwa na ile aya ya milele. Isiyoweza kusauliwa kamwe. Hawataisabua kile aya watapata. Parce que kile kitu wanafanya. Parce que ce qu'ils ont fait. Hawakifanye kwa akili. Ils n'ont pas fait par intelligence. Wanakifanya kwa upumbavu. Ils ont fait comme des insensés. Watatusomea tena. On va encore nous lire. Deuxième Samuel chapitre 15. Deuxième Samuel chapitre 15. Chapitre tout moya 30 na 31. Le verset 30 à 31. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Frère Benoît Kwaraka sana. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Alléluia. Et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis en néant le conseil d'Achitophel. Absalom anaiba mapeto. 30. Daudi akapanda kwa njia ya mulima wa mizeituni. Akalia akipanda. Naye alikuwa amefunika kichwa chake. Akakwenda hana viatu. Na watu wote waliokuwa pamoja naye wakafunika kila mtu kichwa chake. Wakapanda walililia wakipanda. 31. Na mmoja alimwambia Daudi akisema, Ahithofeli ni katikati yao waliopatana na Absalom. Daudi akasema, Bwana, ninakuomba, geuza shauri la Ahithofeli kuwa upumbavu. Ikuwe upumbavu. Amen. Minasema hivi. Je dis ceci. Mais l'Éternel est avec moi. Wa milele ekonami. Comme un héros puissant. Kama suja. Ile nakuwa ni kishinda. Là c'est le thème. Mandiko nasema. La Bible dit ceci. Uye nakuya ni Jérémie. Ici c'est Jérémie. Bible nasema. La Bible dit. Alianza kuleta unabi. Il prophétisait. Juu ya Yerusalem. Sur Jérusalem. Aina unabi ya kuba flatter. Ce n'était pas pour le flatter. Mandiko nasema. Mais la Bible dit. Ile Jérémie alianza kusema. Ce que Jérémie disait. Ilikuwa ni mambo ya biakwe. C'était le véritable. Aikuwa ya kuba peleka mubaraka. Ce n'était pas pour le pousser dans la bénédiction. Jérémie anasema. Jérémie dit ceci. Wakati takuya. Lorsque je viendrai. Mutengia mubutumwa. Vous serez en captivité. Wakati mutengia mubutumwa. Lorsque vous serez en captivité. Babiloni. Babylone, Batami Tawala, ils vont régner sur vous. Moi, Jérusalem, et vous, Jérusalem, Bible na sema, la Bible dit, lorsqu'ils ont entendu ce message, banashirika, ils étaient saisis de colère. Wakati banashirika, et lorsqu'ils étaient en colère, banaanza kubamba mashauri mubaya, ils ont comploté juu ya Yeremia, contre Jérémie. Juu ya nini Yeremia? Pourquoi Jérémie? Anatabiri maneno mubaya.
Et Jérémie avait prophétisé des fautes. Mais la Bible dit, Jérémie, il a dit, Dieu m'a dit, vous serez des esclaves et vous serez malmenés. Et là, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas vous tromper. L'église d'aujourd'hui n'aime pas la vérité. L'église d'aujourd'hui aime des flatteries. Même si quelqu'un est dans le mal, on le flatte. Jérémie n'avait pas flatté Jérusalem. Il a dit la vérité. Mungu, Dieu ne peut pas changer. Mungu, Dieu ne peut jamais marcher dans le péché. Mungu, Dieu na muntu, ne peut mentir. C'est lui qui l'associe pas. C'est lui qui veut marcher avec lui. Tu dois associer Dieu dans ta vie. Bible nasema, la Bible dit, yeye ni ukweli. Lui il est la vérité. Et il n'aura pas de mensonge. Et lui Dieu, eko peka vile. Il est le même. Jana, hier, leo, aujourd'hui, na milele, et éternellement. Kama ni tembea na bababa, s'il a marché avec nos papas, il marchera avec nous. Atatembea na kanisa, il marchera avec l'église. Je une Mungu. C'est celui-là. Bible nasema, la Bible dit, Bana mchukie. On l'a haï. On a comploté. Ils ont dit, celui-ci Jérémie, nous devons le tuer. La Bible dit, ils l'ont saisi. Ils l'ont jeté en prison. Lorsqu'il était en prison, et le jour venu, on l'a libéré. Lorsqu'il était libéré, la Bible dit, il n'avait pas arrêté. Il continuait dans sa position. Celui qui a Dieu, il a une position. Même si vous le rejetez, même si vous le rejetez, mais lui a Dieu, qui le veuille ou pas, vous allez accepter le Dieu du référendum, le Dieu des anciens de l'église. Il est le véritable. L'église de Dieu, le Dieu de la 30e. Ce n'est pas le Dieu des choses. Nous nous sommes rentrés à l'église. On n'a fait pas des chaussures. Mais le Dieu de la 30e nous a donné des chaussures. Je voudrais te dire, il ne faut pas regarder les gens. Parce que Dieu, qui t'a appelé, lorsqu'il t'a appelé, si tu l'élèves aujourd'hui, Mouzé Domi, toi tu seras dans la joie, frère Banza, si tu es élève, et tu souhaites dans la joie, et moi j'attends mon temps. Le Dieu qui t'a visité, il n'est pas le Baba le Semaka. Mais s'il parle, Baba na Semaka. Baba parle. Mungu tunaamini. Le Dieu qu'on a crié, ni Mungu wa Shibot. Il est notre Dieu à nous tous. Anawako wemoya. Il n'est pas ton Dieu seul. Si t'as fait grâce aujourd'hui, cette grâce demain va visiter Mouze Moto, va visiter Mouze Poto, va visiter Mouze Tade. Et le Dieu ne peut jamais oublier quelqu'un. La Bible dit, Jérémie, il était dans sa position. Il était en prison. À cause de la vérité, on l'a retiré de la prison. Il pensait que il allait changer ses pensées. Il est resté dans sa position. Il est resté. Je voudrais te dire, même si les gens peuvent te rejeter, même si les gens ne t'acceptent pas, reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Ils ne vont pas t'accepter aujourd'hui. Mais demain, ils viendront. Ils vont dire, le Dieu qui prie à Kamalondo, il n'est pas le Dieu des choses. Il est le véritable. Parce que la Bible dit, Jérémie dit, même si mina katala, même si je refuse, mendani yangu, mais en moi, nikuna shikia sa moto, j'ai ça comme un feu. Kulanda bongo apana. Oh, mentir, non. Mais nikuna shikia kintu kimoyo. Mais je sens quelque chose kikuna nisukuma, qui me pousse
pour que je parle de la part de Dieu. Et aujourd'hui l'église, d'autres personnes, à cause de la prière, il n'y a plus le Saint-Esprit. Ils n'ont plus la soif de chanter. Ils n'ont plus la soif de prier. Mais Jérémie dit, même si j'étais en prison, mais ce qui est en moi me pousse. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas se taire. Celui qui a l'esprit de Dieu, vous pouvez le voir comme un fou. Mais la Bible dit, l'enseignement de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui se perdent. Mais c'est une puissance pour nous. Nous croyons au Seigneur. Je dis à l'église, Jésus-Christ, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit puisse bouillonner les choses en toi, puisse bouillonner quelque chose en toi. Et là j'étais calme, mais j'échouais. Ce qui est à moi mais pousse pour que je parle, pour que je parle. Et il dit encore, même mes amis qui m'abandonnent, mais ceux-là à qui j'étais, qui m'ont abandonné. Mais la Bible dit, ton père et ta mère vont t'abandonner, ton grand-père va t'abandonner, ta femme va t'abandonner, les enfants vont t'abandonner. Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne peut jamais te laisser. Il sera avec toi et dans la joie, dans la souffrance, et même dans les choses, même si tu te réveilles, Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Mais il est merveilleux, le meilleur ami, le meilleur ami, Jésus-Christ. C'est lui qui va t'abandonner, même dans la souffrance. Il ne peut jamais t'abandonner, même dans la maladie. Il ne peut jamais t'abandonner, même dans la joie. Il ne peut jamais. Mais Jésus, la Bible dit, Mephibosheth, l'ami de David. La Bible dit, si vous consultez Achitophel. Amen. Amen. Mungu akubariki. Amen. Njoma ni fokuso ma Bible. Hapana kufundisha bantu mambo ya bongo. La Bible dit, Achitophel, l'ami de David, Absalom, et au moment d'Absalom, s'était rébellé contre son père. La Bible dit, David a fui, ananda kumilima, il est parti à la montagne, il pleurait. Mais on vient lui dire, Achitophel, il est parti aussi avec Absalom. Le monde est mauvais. Si tu as quelque chose, les gens viendront faire. Si tu as les pécunia, les gens viendront. Si tu as quelque chose, les gens vont dire de bien. Mais les jours que tu vas manquer, les jours tu manqueras, tu ne verras personne. Achitophel, même Kumwanzo, mais à cause de Absalom, il s'est tenu pour combattre son père. Achitophel a changé position. Nous voyons même dans les gouvernements. Nous voyons dans ma famille. Même dans nos familles. Nous voyons dans la kanisa. Même à l'église. Achitophel. Il s'est révélé. Anenda kungamba Absalom. Il est parti à côté de Absalom. La Bible dit, wakati banamwambia David, lorsqu'on a annoncé à David, Achitophel, yaula na ye, il est parti. Anakuwa adversaire wako. Il devient aussi le rebelle. David anasema, David dit, mie kunaisha, moi c'est fini. Kumilima, à la montagne. Mikuluwaji, pieni, bekonaria. Il pleurait. Il ne savait pas quoi faire. C'est lui qui s'est abandonné. Lui aussi s'est révélé. Achitophel s'est révélé. David, David pleurait. Où irais-je? David pleure. Que ferais-je? La Bible dit, David prie. Il dit, Mungu, Dieu, rendre quoi néa.
rendre quoi néant, rendre néant, ma wanzo yote, le penser, ma shauri yote, tout complot, ya shito fait, da shito fait, dès qu'on a sem, elle dit, quel que soit Absalom. Et même si Absalom était à côté d'Achitophel, mais il est Shaouri. Mais c'est complot. Il est Shaouri. C'est complot. Il est Shaouri. C'est complot. Achitophel. Achitophel. Arimolezi Absalom. Avait dit Absalom. Anamolezi. Il dit. Beba babibi ya baba yakobote. Prends le femme de ton père. Uzini nabo. Comme ça tu vas coucher avec. Na bantu bote baone. Et que tout le monde voie. Angalia namuna kale. Maintenant regarde comment. Mungu ana confond. Dieu a confondu. Huyu mtu alikuwa très fort. Cet homme fort. Bible na sema. Parce que la Bible dit. Kama unamwona Achitophel. Si tu vois Achitophel. Hautamu consulter Mungu. Tu ne peux pas consulter Dieu. Parce que alikuwa ni mtu wa akili. Parce qu'il était intelligent. Mtu wa hekima. Il avait la sagesse. Mais sababu. Mais à cause. David. Il avait abandonné David. Oyo David. David. Jo Mungu alichakula. C'est Dieu qui l'avait choisi. Oyo David. David. Ni Mungu alimweka pale. C'est Dieu qui l'avait établi. Aina yeye mwenyewe. C'est pas lui-même. Mimi nasema na kanisa. C'est pas la l'église. Hapana kukombanisha. Il faut pas combattre. Ule Mungu alita. C'est lui que Dieu a choisi. Kama unamkombanisha. Il faut pas combattre. Unamchokoza Mungu. C'est lui que Dieu a choisi. Kama unamchokoza Mungu. Si tu provoques Dieu. Hakuna mtu. Il n'y a personne. Ula taweza. Qui pourrait. Ndani ya mpita. Dans ce combat. Ya muntu d'entre l'homme na Mungu et Dieu. Achitophel. Achitophel. Anamwacha David. A abandonné David. Bible nasema. La Bible dit. Même Mephibosheth. Même Mephibosheth. Muntu walitosha mu mateso. Celui qu'on avait tiré dans la souffrance. Muntu walitosha mu kule alikuya mba. Celui qu'on a tiré de l'eau de bar. David, David était à côté de lui. À sa table. Ils ont mangé ensemble. Mais la Bible dit. Au moment où Absalom s'était rebellé contre son père. Mais Mephibosheth aussi. Il a tout oublié. Il est resté à Jérusalem. Il dit ceci. Moi aussi je reste. Je prends maintenant l'héritage de mon père. Dunia. Le monde. Niba ingra. Ce sont des ingrats. Dunia. Le monde. Niba ingra. Ce sont des ingrats. Chomana baba nasema. Voilà pourquoi Baba dit. Tumikia tu Mungu. Serre Dieu seulement. Tumikia Mungu. Serre Dieu. Bila mtu kuna mufashia. Tout ce que tu fais pour l'homme. Mtu atasabwa. Il peut oublier. Mais ula sabwa. Mais celui qui n'oublie jamais. Ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Ula atakusabwa. C'est lui qui peut jamais oublier. Ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Mina penda kuelezea. Je voudrais te dire. Bantu bote. Tout le monde. Patakusabu. Peuvent t'abandonner. Bantu bote. Tout le monde. Patakwacha. Peut te laisser. Mais mumoya. Mais il y a quelqu'un. Yesu Kristo. Jésus Christ. Atakwacha. Qui ne peut. Anakuyua. Jamais t'abandonner. Ata baba sikuyua mukamalondo. Même baba ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Kuita mukamalondo. Mais c'est lui qui t'a appelé à kamalondo. Anayua njina yako. Il connaît ton nom. Anayua maisha yako. Il connaît ta vie. Mina pendo kuelezea. Je voudrais te dire. Mungu ako na wewe. Et Dieu est avec toi. Mungu ako na wewe. Dieu est avec toi. Hapana kongopa. Il faut pas trembler. Hapana kulia. Il faut pas pleurer. Mais asubuhi ya leo. Mais ce matin. Napenda kuelezea. Je voudrais te dire. Mungu ako na wewe. Dieu est avec toi. Mephibosheth. Mephibosheth. Anakata. Il a refusé. Anamutomboka na David. Il se rebelle aussi à Bible nasema. La Bible dit. Kurukwa étranger moi. Il y avait un étranger. Italie. Italie. Ule mtu anamuonesha David. Et cet homme dit à David. Mimi sitakuacha. Je ne peux jamais t'abandonner. Mimi sitakuacha. Je ne peux pas t'abandonner. Atamui wakati kuna traverser. Même dans ces moments où tu traverses. Sitakuacha. Je ne peux jamais t'abandonner. Mimi sitakuacha. Je ne peux jamais t'abandonner. Un étranger. Mugeni. Anasema sitakuacha. Il dit que je ne peux jamais t'abandonner. Kanisa. L'église. Ata unisaidie. Même si tu m'aides pas. Kuko étranger moi. Mais il y a un étranger. Kuko étranger. Il y a un étranger. Kuko étranger. Il y a un étranger. Ula tanyacha. Qui ne peut jamais m'abandonner. Il y a un étranger. Anajua mateso yangu. Qui connaît ma souffrance. Il y a un étranger qui connaît. Il y a un étranger qui entend mes pleurs. Il y a un étranger qui dit même si il peut s'élever, même si on peut t'abandonner, mais il t'a lié là. On ne peut jamais t'abandonner. On ne peut jamais t'abandonner. David, là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu vas dormir, je dormirai avec toi. Yako. Et ta joie sera ma joie. Mateso yako. Ta souffrance ni mateso sera la mienne. David. Nous ne pouvons jamais t'abandonner. Voilà pourquoi la Bible dit. Jérémie a prié. Buana. Seigneur.
Chignati. Ne m'abandonne pas. Chignati. Ne m'abandonne pas. Chignati. Ne m'abandonne pas. Mets ta confusion. Et crée la confusion. Vous allez voir tes mains se mabibaye. Dans ces gens qui complotent contre papa moi. Ko aya ya disait la honte éternelle. Dans les mains tous ceux-là qui complotent. Bako tu dunia ikuata. Unazikuria. Tu peux pleurer. Michiana kitu. Je n'ai rien. Mais pourquoi on me combat? Ils savent ce que tu es. C'est toi qui te méprises. Mais eux savent ce que tu es. Ils ne vont jamais t'abandonner. Même si que tu es l'argent. Même si tu manques de l'argent. Même si tu ne manques pas les chaussures. Même si tu portes des vêtements. Tant que eux sachent. Ils savent que tu es Dieu. Eux n'ont pas Dieu. Ils ne vont pas t'abandonner. Ils vont te combattre. Mais ceux qui vont oublier. C'est Dieu qui t'a appelé. Lui dit. Il est avec toi. Ataleta confusion. Il va créer la confusion. Dans le camp de l'ennemi. Mungu alikuita. Le Dieu qui t'a appelé. Il est puissant. Mungu alikuita. Le Dieu qui t'a appelé. Il est machabu. Il est merveilleux. Bible nasema. La Bible dit. Manjia yenu. Et mes chemins. Ce ne sont pas vos chemins. Mais ce que je connais. Ce que je connais. Le Dieu qui t'a appelé. Atamitembele. Il va te visiter. Bible nasema, la Bible dit. Joseph ananza kufa. Joseph commençait à mourir. Anaita banduku yake. Il a convoqué ses frères. Anabeleze. Il a dit. Mimi nanza kufa. Moi je vais maintenant mourir. Mais ce que je sais. Mungu. Dieu. Mungu. Dieu. Atamitembele. Va vous visiter. Atamitosha mutumu. Il va vous tirer de l'esclavage. Il va vous amener dans le pays où vous voulez le miel. L'église de Dieu. Mishijue. Je ne sais pas. Kintu kunakyo. C'est que toi tu as, je ne sais pas, mambo le kunai, les problèmes que tu as, mais je viens prophétiser, je ne sais pas comment la bénédiction viendra, mais c'est que je sais, les dieux qui a conclu l'alliance avec mon père, c'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui a entendu l'ange, l'alliance qu'il a, va entrer chez moi, et ce qu'il a, va entrer à l'église. Le Dieu qui l'a appelé. Il n'est pas le Dieu des dieux. Il est le Dieu puissant. Moi je te dis. Jérémie. Il dit. Crée la confusion. Nous sommes à la fin de l'année. Mungu alete confusion. Mungu alete confusion. Mukaji yako alete confusion. Crée la confusion dans ton travail. Ndoa yako itaisha. Et ton mariage ne va pas se terminer. Mungu alete confusion. Tu créeras une confusion. Abata kutosha kaji. Ils vont pas te licencier. Mungu ataleta confusion. Tu créeras une confusion. Atabari kutosha mukaji. Même si on t'a limoché du travail. Ninapenda kukuelezea. Mais moi je voudrais te dire. Asubuhi ya leo. Que ce matin. Mungu atakurudishia. Dieu va te retourner. Asubuhi ya leo. Ce matin. Mungu wa uwezo. Le Dieu puissant. Atashi il va honorer ton mariage. Le Dieu puissant. Il va honorer tes enfants. Le Dieu puissant. Il va te visiter. Ce matin. Que le Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu se manifeste dans ta maison. Que Dieu se manifeste dans ton travail. Tiens-toi debout, on va prier. Vous êtes dormi, tu passes un mot. Nous sommes à la prière. Nous sommes à la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Tu as un Dieu puissant. Au Konamongo à Ouezo.
Yes, we are.
C'est toi qui as le parole de guérison. C'est toi qui as le parole de la vie.
Alléluia. 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 Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout tous. Nous sommes debout tous. Alléluia. Nous sommes debout. Nous sommes debout tous. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Le reste Saint-Esprit va te guérir. Tu ne peux pas entrer comme tu étais entré. Tu dois sortir. Et tu te dis, Dieu m'a guéri. Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Alléluia. Alléluia. Apolifica. Alléluia. Là où tu es, il y a le Dieu véritable. Là où tu es, il y a le Dieu véritable. Alléluia. Dakikambi. Dans deux secondes, Jérémie en a sem. Jérémie dit, laisse ta confusion. Crée la confusion, Seigneur. Dans le camp de mes ennemis. David en a sem. David dit, Mungu. Dieu. Rendre quoi néa. Et rendre à néant les complots des mauvais. Moi je ne sais pas ce matin. C'est quel problème que tu as? Moi je ne sais pas ce matin. Quelque chose qui malmène ta vie. Tout problème a un début et une fin. Mais je voudrais que ce matin, que tu dises au Seigneur, mon problème, Léo. Aujourd'hui, Léo. Aujourd'hui, Léo. Aujourd'hui, Léo. Aujourd'hui, Léo. Que cela prenne Léo. Fin. Aujourd'hui, Ignatirie. Prenne fin. Léo. Aujourd'hui, Nibakia Uru. Que je sois libre. Aujourd'hui, Katika Tina. Alléluia. Priorité. 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 Que le Seigneur rende à les complots de l'ennemi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, que mes problèmes prennent fin aujourd'hui. Que mes problèmes, mes difficultés, mes combats prennent fin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Crée la confusion, Seigneur. Crée la confusion, Seigneur. Dans le cas de l'ennemi. Crée la confusion. Dans le complot de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Jésus crée la confusion. Crée la confusion. Là, on complote contre nos vies. Crée la confusion. Là, on complote contre notre avenir. Crée la confusion. Au nom puissant de Jésus. Que les complots du sang. Alléluia. Que quelque chose bouillonne en toi. Que le Saint-Esprit puisse te visiter. Que le Saint-Esprit puisse allumer les choses en toi. Que le Saint-Esprit, ce matin, c'est pas le Dieu des théâtres. Il n'est pas le Dieu des histoires. Mais il est le Dieu véritable. Le Saint-Esprit puisse descendre. Le Saint-Esprit puisse allumer le feu de Dieu. Le feu de Dieu puisse allumer en toi. Le feu de Dieu puisse allumer en toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Eh, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Eh.
Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Ce n'est pas l'esprit de servitude, mais l'esprit de liberté. Il est l'esprit de liberté. Alléluia. Il est l'esprit de liberté. Alléluia. Là où tu es le Saint-Esprit. Oh, c'est là où il y a la liberté. Touche-nous ce matin. Essuie nos larmes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yamazakimia. Sois calme. Yamazakimia. Sois calme. Yamazakimia. Sois calme. Apana kuria. Il ne faut pas pleurer. Apana kujitomporia. Il ne faut pas te lamenter. Mungu anamonesha Musa. Tu es dit à Moïse. Boneshe bekale kimya. Dis à Israël de se calmer. Nyamaza kimya. Restez silencieux. Mungu yuko pamoja na wewe. Dieu est avec toi. Mungu yuko pamoja na wewe. Dieu est avec toi. Tu es un Dieu puissant. Ni Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Tu es un Dieu puissant. Uko na Mungu wa uwezo. Alléluia. Alléluia. Tunamuita baba tushimame shibote. Si on peut nous tenir debout. Tushimame shibote. On va se tenir debout. Tushimame shibote. On va se tenir debout. Mama Safa tushimame. Mama Safa on peut se tenir debout. Baba tatombea. Et le papa va nous bénir. Baba tatombea. Et papa va nous bénir. Baba tatombea. Nawaza unasikia mahubiri munene sana. Je pense que vous avez entendu un grand message. Kanisa yetu inaongozwa na Roho. Notre église est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Hata tuko na programme. Même si on a un programme. Wakati moyo Roho itakuongoza na kuangunja maombi. À un moment donné, l'Esprit va même te conduire en prière. Je vous le kanisa ba Pentecôte kwako. C'est ça le pentecôtiste. Nawaza neno hii ni unabii. Je pense que ce message c'est une prophétie. Kama uko tu na discernement, si tu as l'esprit de discernement, ya kushikia maubiri, pour écouter ce message, ushikwe maubiri kutupia mtu mwingine, c'est que ça ne soit pas le message pour parler de l'autre. Inakuwa juu yako we. C'est ton message à toi. Amen. Una probleme. Tu as un problème. Au ku famille, même dans la famille. Au mukaji, même au boulot. Même au milieu de tes amis, même à l'église, c'est ta réponse à toi. Amen. Nous voulons prier. Notre Dieu, il est le Dieu qui répond à la prière. Amen. Je vais demander, je ne voudrais pas prier seulement en vain comme ça, non. Je voudrais demander. Kachikachi yetu. Au milieu de nous. Ni nani balikuwa bagonjwa. Qui était malade ce matin, qui est entré malade ce matin. Banaingia mukanisa om. Ceux-là qui sont entrés ce matin malades. Banyoloshe mikono. Qui lèvent seulement leur doigt. Nyoloshe mikono. Lèvent seulement le main. Na bale banacha magonjwa kunyumba. Et ceux-là qui ont laissé le malade à la maison. Et ceux-là qui ont le problème de mariage, travail et autres. C'est ta réponse. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il ne faut pas attendre la prophétie. Imani inakuyuya kwa kushikia neno ya Mungu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est de la parole de Dieu. Si j'écoute la parole, cela me dit. Et je crois à cette parole, je m'approprie cette parole. Et Dieu va faire le miracle. Dieu va faire le miracle ici. Dieu va délivrer les gens ici maintenant. Si tu es malade, Dieu va te guérir maintenant. Écoute, écoute. Le modèle de Jésus. Et le modèle des apôtres. Ils ne priaient pas que non, allez, vous serez guéri, non. C'est par là qu'il dit que ta foi t'a sauvé. C'est ça.
Nous ne venons pas deviner les choses. La parole de Dieu sur la vie. Nous n'allons pas attendre les prophéties. Non. La parole de Dieu dit. Et moi je crois. Et cela va faire le prodige. Que chaque malade puisse prier et Dieu va les guérir maintenant. Que celui qui a des problèmes, le problème prendra fin. Même si tu as quelqu'un qui est en prison, il sera libéré, il va quitter. Prions d'abord. Que chacun prie pour son problème. Prie pour ta maladie. Pour le mariage, l'emploi, les combats. Soit c'est l'emploi. Soit c'est la sorcellerie qui te malmène. Prions au nom de Jésus. Taomba. Utafata mu français na ba français ba shiki. Taomba pole pole. Mungu baba yetu, Dieu notre père. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Yohano anetuandikia hivi. Jean dit ceci. Injo odari tuiko nayo. Ça c'est ça l'assurance qu'on a. Kama tukiomba tu neno lolote. Si nous demandons quelque chose. Kwa jina lako. À ton nom. Tutaipata. Nous recevrons cela. Na fura yetu. Et notre joie sera parfaite. Neno lolote. Ile inapatana na hii unasema. Tout cela qui neno ya magonjwa. Soit la maladie. Tunaombea magonjwa yote. Katika jina la Yesu Kristo. Bote wenye kuwa na magonjwa. Tout cela qui est malade. Bafunguliwe hapa sasa. Alléluia. Magonjwa ishe paka hapa sasa. Aina kesho. C'est pas demain. Ni leo. C'est aujourd'hui. Neno tuko na hodari. Ya neno lako. Ta parole, alléluia. Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi qui as la maladie, lève seulement ta main. Bénis Dieu et merci pour ta guérison. Dis-lui, je t'ai béni parce que tu m'as guéri. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, c'est croire. Et espérer les choses qui sont invisibles. Lorsque je prie, j'ai l'assurance que cela va s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es déjà guéri. Essaie un peu la force dans ton corps. Bénis le Seigneur, merci. Parce que tu as guéri. Merci Seigneur. Dis merci avec foi. Sainte Messie. Bénis le Seigneur avec la foi. Sainte Mkombozi. Merci Seigneur. Chikia bila ulikuya. Comme tu étais entré. Na hivi unashikia hapa. Et maintenant, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Naamini kweli Mungu anaponesha. Moi je crois que Dieu a guéri les gens ici. Nyolosha mkono wewe unashikia maumivu naisha. Nyolosha. Lève ta main toi qui n'as plus de douleur. Nyolosha. Lève seulement ta main. Mubalule bale bana nyolosha. Comptez les gens qui sont guéris. Notre Dieu n'y a pas ça. Non, il n'est pas le Dieu de demain ou de lendemain. Si ces gens sont guéris, ils ont levé leurs mains. Et ceux-là que tu as prié, ils sont à la maison. Et le problème de l'emploi. Et tu auras la réponse à partir déjà de demain. Amen. Les signes pour montrer que Dieu a exaucé. Ce sont ces gens qui sont guéris maintenant. Monsieur Kibambe, vous pouvez compter. Levez seulement, gardez vos mains à l'air. Il y a d'autres lorsqu'ils prient. Ils quittent, on dirait que Dieu ne l'avait pas entendu ni exaucé.
Si nous venons prier, c'est pour que Dieu nous exauce. 118. Alléluia. Regarde. Regarde. Cette église, j'ai commencé en tant que jeune à l'école et dans les tonnes et ici. Et là, on demandait ceux qui n'ont pas de télévision, on priait et trouver cela. Vous êtes samedi là et peut témoigner. J'ai beaucoup de témoins. Je ne parle pas les choses du village. Ou soit ce qu'on fait en Europe. Ce qui se sont fait ici à Kamalondo, ce que Dieu accomplissait. Amen. Un jour, quelqu'un est venu avec le béki. J'ai prié pour lui, il a laissé ça là-bas. Si c'est le sida, il y a même 20 personnes. Je ne parle pas des histoires. Je parle des choses réelles. J'ai toujours suivi les modérateurs. Prions, prions. Après, si je te demande, lorsque tu parlais là en langue, Dieu a dit quoi? Lorsque tu as prié. Moi je vais te dire, il y a eu 20 guérisons. Et avant j'ai demandé les gens de passer devant. Et il y avait même des cancers qui prenaient fin. Même les gens qui avaient des sida et les sida prenaient fin. Mais moi je n'ai pas besoin de te visiter, mais c'est Dieu qui va te guérir. Seulement changer les modérateurs. J'ai toujours suivi sans les bruits. Et il n'y a rien dans les bruits. Seulement les bruits. Dieu est dans le calme. Il est le roi. Beaucoup de gens aiment prophétiser. Et à la fin du temps, il y aura des faux prophètes. On te prophétise des mensonges, des divinations, tu dis amen. Et vous criez ici amen. Zéro. Zéro. Tu dois prier et la chose s'accomplit. C'est lui-là le Dieu de la 30e. Le Dieu de Congo évangélique mission. Nous avions les référents le papa faisait des il y avait les gens qui avaient des cabossis qui prenaient fin. Les prodiges, les nos aïeux là. Vous venez les choses avec les choses de ministère. C'est nous le modèle du Saint-Esprit. Le ministère doit nous copier. L'église et l'esprit, c'est la 30e. Vous partez à Maniema, vous copiez à la Katouba. Non. C'est honteux. Vous copiez même les chants. Non. Pourquoi la chorale? Vous voulez copier les gens. L'ancien Domi, il ne faut pas copier les ministères. Je vais veiller. Attention, j'aurai une rigueur, l'ancien Moulongo. Vous devez m'écouter, c'est moi le chef. Il y a le Père charnel et spirituel. Si tu ne le respectes pas, si je te dis abandonne, tu abandonnes. Moi je t'interdis ça, toi tu continues. Et je vous conseille, il y a les mouvements, trop de mouvements. Si tu veux recevoir l'Esprit Saint, tranquillise-toi. Hein, l'ancien Sambi, c'est le modèle qu'il faut enseigner. Tu vois l'autre, l'Esprit le touche. Et non le mouvement. L'esprit, c'est dans la tranquillité. Je vous surveille attentivement.
Et je verrai que celui-ci, c'est un orgueilleux. Celui-ci, je vais provoquer le problème que tout croise ensemble. Si je te conseille, tu ne changes pas. Et je te laisse. C'est lui qui va moissonner, c'est Dieu et non moi. Mon travail, c'est perdre les brebis. Si tu n'écoutes pas, ce n'est pas mon problème. Rentrons dans notre. Il y a ceux-là qui parlent dans le Kamalata. C'est vous qui avez abîmé cette bénédiction, vous les étrangers, en copiant le ministère. Laissons-nous avec notre originalité des pentecôtistes, des Congo évangéliques mission, que le Briton a laissé, que Robertson a laissé. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Si nous prions, il dit que non, ça c'est une mauvaise langue. Lui discernait le langue. Tout ce que vous parlez, vous apprenez au Nigérien, c'est pas pour le pentecôtiste. Pourquoi tu vas parler coco coco coco? Est-ce que c'est Dieu? Oh, oh, c'est cela. Oh. Vous copiez. Nous refusons les copistes. Amen. Nous voulons l'esprit véritable. Amen. Si tu es Luba, tu parles même en Kiololo. C'est le Saint-Esprit. Tu es Kassaïen, tu parles en Tchokwe. Et tu parles l'anglais, l'allemand. Robinson était parti en Angleterre. Une maman parlait en langue en Luba. Il n'a jamais été à Kabondo Tiana. Il dit ici à un missionnaire qui était parti en Afrique. Il a laissé son emploi. Dieu dit qu'il doit rentrer. Qu'il puisse terminer ce travail là, là où il a laissé. C'est au Congo, c'est pas en Afrique seulement. Robinson est venu, maman. Tu as déjà été en Afrique, non? Tu connais le Congo, non? Tu connais la langue que tu as parlé, non? Il dit, ce que tu parles, c'est mon message à moi. Il a plié ses bagages et il est rentré là-bas, en Europe. Laissez ces histoires-là que vous imitez. Que Dieu vous bénisse. Pika mikono, pika mikono, pika mikono, na pikelekele. Shangilia juu ya utukufu ya Mungu. Funika macho hata minuti moja ularingia siamini. Asiamini Bwana Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi. Alama ya kuamini ni kunyolosha kilele juu. Nani wa kuamini? Nani wa kuamini? Ineno.